Mais le sport aussi. Oh, tu vas danser avec ton chien? Allez, super. Ah. Vous avez vu ce Moi, j'ai matin, pas dans le quatre. calendrier du bonheur, il y avait le chat dans le sapin. Moi, il y en a quatre, je peux pas, c'est pas possible. Tu peux pas danser avec les chiens? Bon. Allez, musique. Maestro. Allez, on des gens. Du début. Allez. Ouais, on va chauffer les épaules alors, si c'est bon. Ouais. Vous faites ça, mais vous faites un mélange. Pareil, avec des hanchés pour travailler la ceinture abdominale. On a dit on danse, mais c'est du sport quand même. Et là, vous partez sur le côté. Allez, un beau déhanché là, travaillez bien les hanches. Et vous revenez au centre et on descend les hanches. La pop-up girl.
encore 5 secondes. Et on revient. Et on peut faire, ah, ça c'est pas mal. Et on descend. Continue nos mouvements là sur les jambes. Hier c'était les genoux. Alors on va continuer le travail des renforcements des genoux. On vient au centre. Peut-être on peut tourner. Qu'est-ce qu'on va penser? On fait un déhanché. Yeah.
Allez, on boit le café. Et on repart. Waouh! Ah, c'est une image! Ah, tu l'as empaillé? Ouais! Bon, c'est pas toi qui m'envoie le sapin! Je ne connais pas celui qui fait le feu! Ouais, ou à démonter le sapin. Alors, on essaie de se faire un petit rapide, d'un côté. Non, mais il n'est pas monté jusqu'au. C'est qui est descendu? Canaille. Parce que nous, on a un chien qui fait pipi sur le renard. Ah, d'accord. Zut. Allez. Ah, comme ça. Déhanché là.
pousser bien sur les ovules. Et on continue les gars. Et ici, là. Allez, on tend les jambes. Et là. Et puis en l'air. C'est des cercles, des bras. Until I see your face, I linger hoping you might stay. Wrapped up in your arms is where I wanna spend my life. Ah, Pascal, dans le sens des aiguilles d'une montre ou à l'inverse, je sais pas. The best time of year. Now I don't know if there'll be snow, but have a couple of beers. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Pas mal comme musique.
On amène le genou à l'avant. Rythmé, hein, vous arrivez à parler. Les orteils. Allez, vous contractez bien mollet la cuisse. Les abdos.
Youhou. Est-ce que j'ai encore de la maison. On y va. De musique de Noël. Calinou. On se refait un 10 minutes. Allez, ça marche. Moi, je dois vous laisser les filles. Je ferai la fin en replay. Oh, bon. Il y a un rendez-vous qui arrive. Je vais me doucher. D'accord. Bon, ben, bon rendez-vous, Dorian. La semaine prochaine, c'est du replay. Hein. Je suis chez maman. Je fais pas sport la semaine. Pas de problème. OK. Ben, nous, on signe cet après-midi. D'accord. Bon, on essaye de se voir, alors. La semaine prochaine. Parce qu'on va aller à Caen aussi. Allez, bisous, ouais. Bisous. Bisous, les filles. Bisous, Dorian. Salut, Dorian. Salut, Dorian. Salut, Dorian. Allez. On a essayé de faire le mouvement qu'on a fait hier, la police. Non, lundi. Donc, vous m'avez dit que vous aviez senti. Donc, ici, devant. Derrière. Allez, on bouge les jambes. Avec. Et là, on les fait au-dessus de la tête. Les deux. On a fait le de le faire en sautant. Ok, 1, 2, 3, hop, c'est pas mal. Et encore. Est-ce qu'il est sur les hanches, d'accord? Moi j'ai chaud, hein. Allez, à la chasse aux rennes. Pour Pascal. Bien. Vous tendez bien la jambe, vous mettez bien le petit poil, hein. Allez, bien saute. Et on va continuer la chanson. De la droite, de la gauche. Et on va. Et devant. Et on va. Donc les jambes elles font comme ça, hein. Droite, gauche, on va. Réfléchis ici et on va vraiment basculer bien les mains là. Et puis on va mouliner. Allez, vous forcez bien, vous faites un beau déhanché ici pour que ça plie. Vous savez, comme quand on est comme ça à la sauteuse. Allez, oh. Alors, reste dans le mouvement. Comme ça, peut-être on n'a pas fait ce mouvement là avec les épaules. Pour garder notre logique de la semaine. Vous agrippez quelque chose dans le cœur et puis vous mettez bien derrière. Vous ramenez bien vers la poitrine, vous soufflez là. Alors on va ajouter les jambes. Peut-être on pourrait faire un pas chassé, pique la carotte. Allez.
mets bien le pied, bien chassé. On souffle. Ouais. Et on reste en bas. I remember when you were here. All the fun we had. Pretty lights on a tree. I'm watching them shine. You should be here with me. Baby, please come home. J'ai remis la même piste que celle au début. Ça m'a inspiré le même mouvement. Part sur le souffle. C'est bon, vous avez récupéré. Allez, j'ai reformé les bottes et de la main. Et on tourne. Et dans l'autre sens. Allez, ma Juju, bientôt la fin de la musique.
C'est bien. C'est, si c'est trop dur comme ça, c'est juste comme ça qu'on fait de la sauce. Et l'autre. Et les lutins, ils repartent à l'atelier du Père Noël. Si on se faisait un petit étirement pour refaire descendre le cœur, ouais. On prend le tapis et on redescend avec on une musique. On va le faire descendre où ? Redescendre le cœur à la vibration. Je vous demande d'en mémoriser une seule. Non, pas... Hop là, une vibration plus. Ça perturbe, après elle ne sait plus. Elle ne peut plus d'aller. Elle est hachée, la pauvre. Ouais. Attention. 432 Hz. Ça vous va comme bonne vibration pour la journée? Oui. Allez. Moi, je ne vais pas vous dire au piqué, je vais vous dire au tapis. Allez. Et si vous voulez, vous prenez un petit coussin pour mettre sous vos fesses. On va avoir le dos bien droit. Alors, on va d'abord écarter les jambes. Pointe de pied en extérieur. En plus, demain, normalement, c'est moi qui fais le yoga stretching et je serai dans le train. Ah bah, comment tu vas faire? Ah bah, c'est cool, ça, stretching dans le train. Et on descend doucement. Et là, on pousse, on tire bien sur sa cheville, son pied, ses deux orteils, son mollet. Et ici, on vient pousser pour ouvrir, pour étirer l'intérieur de la cuisse. On fait travers respiration. Et on vient reposer le talon, le pied. On se remet au milieu, on vérifie la bascule du bassin pour avoir le dos droit. On monte. Le pied gauche et on ouvre à l'intérieur, à l'extérieur. Toujours en ouverture des genoux, on pose les deux mains à l'intérieur et on monte sur les épaules. Et on repose délicatement les talons, on redresse et on va chercher bien. Les pieds, on se met en bout de tapis, on inspire, on fléchit légèrement les genoux, bassin rétroversé, abdos gainés, on monte les bras bien haut et on souffle, on arrondit la tête, les cervicales, le menton sur le plexus, on vide, on creuse le ventre. Et on reprend devant. Et on vide jusqu'au sol.
On arrondit complètement. On vient mettre les mains devant les pieds. Et on vient en guélage. On inspire. On finit l'inspiration, pardon. Pose les genoux sur le souffle. Et on bascule assis. On vient se mettre en tailleur ou sur les genoux. Et on va aller faire circuler toute notre lymphe pour bien évacuer toutes les toxines qu'on a emmagasinées cette année. Parce que là, il va y avoir les abus des fêtes. Et je tenais à finir là-dessus. On vient d'abord chauffer les mains. L'une contre l'autre. Vous respirez bien doucement. Avec vos doigts, vous faites des crispations comme ça sur l'épaule pour faire des pressions jusqu'à attraper l'épaule ici. Et quand vous êtes sur l'articulation, vous vous aidez de la main gauche pour pousser le bras droit et vous tournez autour de l'épaule. Et là, vous prenez votre main, vous la montez bien jusqu'à la colonne, les doigts jusqu'à la colonne et vous évacuez. On frotte à nouveau les mains, les doigts, et le dessus de l'âme. On prend les phalanges gauche de la main gauche et on tapote. J'avais fait avec le poing droit, maintenant je fais avec le poing gauche. Faites le coude. Avant-bras. Jusqu'au poignet. Vous encerclez bien le poignet. On monte ici la main sur l'épaule. On empoigne avec les doigts crispés comme ça. Et on fait des points d'acupression sur l'épaule, sur le moral, sur les trapèzes. Et quand on est dans l'articulation de l'épaule, on frotte et on cède de la main gauche pour bien tenir. De la main droite, pour pousser le coude gauche pour que la main gauche encercle bien. On monte bien haut sur la colonne et on évacue. Donc on inspire ici, on souffle en descendant. Super. Ici, on prend le bout des doigts. On vient là, le long de la mâchoire et on tapote. Et on descend. Jusqu'à votre plexus, là, jusqu'à vous.
les os de votre gorge juste après. Vous montez derrière les oreilles jusqu'à la colonne et vous descendez. Pareil, des petits tapotements avec vos doigts. Vous mettez avec vos doigts, vous mettez trois doigts sur le côté au-dessus de l'œil, de l'arcade de l'œil gauche. Et vous glissez jusqu'à l'œil droit. Trois doigts de la main droite à la main gauche et vous glissez jusqu'à votre côté gauche. Trois fois. Prenez vos index, vous massez de chaque côté de vos yeux, vous faites trois beaux cercles. Vous venez ici, index pareil, une pression là du nez et vous descendez le long du nez et ici sous le cadre, vous longez, mais donc vous n'appuyez pas sur vos cernes, vous appuyez sur l'os et vous remontez et trois fois. Juste à gauche du menton et on remonte jusqu'à l'oreille, le long de l'os, sur le côté du menton et on remonte jusqu'à l'oreille. Trois fois de chaque côté et là on tapote, on prend la mâchoire et avec les doigts on remonte jusqu'aux os des yeux. Pareil les phalanges là et on vient tapoter poitrine. Alors tapez pas au sein, tapez juste au-dessus. De chaque côté. Vous descendez, vous faites un mot d'argent. Là, l'exus est en dessous de votre bras. Vous venez appuyer en prenant appui de votre main gauche sur votre poing droit. Si vous êtes droit, si vous êtes gaucher, traverse. C'est un peu ça. Là, je ne veux pas que vous vous vomissiez. Je veux juste que vous mettiez un point de pression pour bien stimuler la ville. La vésicule biliaire. Ici, avec vos doigts, vous faites du rentrer devant. Vous essayez à votre ventre d'aller vire. Voilà. Et vous descendez jusqu'à l'os pelvien là. Et juste au-dessus de l'os pelvien, cette fois, vous prenez votre main si vous êtes droitier et vous enfoncez le pouce gauche. Et si vous êtes gaucher, l'inverse. Et comme un plexus, vous enfoncez ici. Faites une pression sur trois respirations. Et vous vous dressez. Vous fermez. Vous venez les mettre ici, juste à la base des côtes, et vous ramenez les côtes. Et vous tendez jusqu'au os de la hanche. Ici, on va venir tendre la jambe, les deux poings, et on va aller frapper la cible. Vous descendez. Massage, faire circuler autour avec vos pouces et vos paumes de main. On reprend sur le tibia en glissant. Chaque côté du mollet. Comme on fait au pas de pied, glissez votre pouce.
pouce droit derrière le genou droit, vous descendez entre les deux longs jumeaux et ici vous faites un point d'acupression. Vous avez vu, j'ai été illuminée d'un seul coup. Un ange est passé dans la pièce. On prend la cheville droite dans la main droite, on vient l'amener sur la cuisse gauche, on maintient dans la paume de main droite la cheville et ici on vient faire des cercles. Trois cercles à droite, trois cercles à gauche. Vous mettez bien la chaleur de votre paume de main sur la cheville. Vous attrapez les orteils et vous faites une pression aussi. Vous pouvez sentir que ça étire le muscle de vos là. Vous prenez le dessus du pied dans la main droite et avec votre poing gauche, vous tapotez des orteils, le dessous des orteils, la plante du pied, et vous remontez jusqu'au talon. Et on change de jambe. On reprend le point. Ta maman. Merci, bonne journée à toi. Bisous, bisous.
Bisous, bisous.